Bonjour, on va apprendre orchidée entière et avec un pinceau moyen et propre. D'abord, première étape, il faut commencer à tracer les feuilles très simples, comme le pinceau propre, en mettant l'encre pure, mais il faut tracer, considérer la quantité de pinceau, bien démarrer, regarder bien. Pour la première feuille, on préfère diagonale longue possible. Après, deuxième. Troisième, le feuille, on peut tracer entre milieu diagonale croisée possible. Et cela sera trois, une coupe simple orchidée. On fait deuxième étape, c'est les fleurs. Dans ce cas-là, on rincer pour avoir la couleur plus claire possible. Pour pétales, d'abord, composition des fleurs, c'est avec, regardez bien, centrale, alors pétale, tige, entre milieu, petit jeune feuille, et en ce moment-là, regardez, fini des pistils. Il faut revenir loin pur, pas trop long et de pointe. Voilà, ça c'est le orchidée entier simple. On va faire le deuxième modèle. Ça se trouve à partir de droite. Montez vers gauche. Regardez bien. Posez pinceau. Le pointe. Presse. Vers gauche. Et la deuxième feuille. Regardez bien. Cherche le côté moins. Presse. S'il n'y a pas assez, rajoute nouveau. Alors maintenant, troisième. Bien rangé de point de pinceau et démarrer. Regardez bien, traverser. Alors, dans ce cas, il est plus simple. Maintenant, je vais faire les fleurs. Comme d'habitude, il faut rincer, trouver la couleur le plus claire possible. C'est à cause de nuances. Et là, je fais les fleurs. Fleurs, attention, maintenant, je vais faire, regardez bien. Je fais ici, pétale, le central d'abord. Dès que si c'est un peu foncé, on va diluer encore pour le pétale. Donc, la finition, c'est le pistil. Pistil unique noir et blanc, comme des calligraphies de pointe. Commencez central, deux. Gauche à droite. Et c'est ça dans le deuxième modèle, si simple, vous pouvez faire à la maison, exercice. On se trouve la prochaine fois.